Pas ma pierre,
Alléluia. La roc a été formé. Je suis une pierre. Yes. Je fais partie de ce roc. Il est la pierre. Il est vraiment le roc. Le roc, c'est Jésus. Nous sommes des pierres de Jésus. Nous sommes à l'humain de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Donc nous sommes l'église. Je viens à ma sur son trône. Le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Qui représente Dieu. Qui est le médiateur de Dieu les hommes. Donc un vieillard. Un être vivant. Des esprits, des anges. Des humains. C'est il y a d'anges. C'est un vieillard. C'est un être vivant. Nous devons adorer Dieu. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Si du moins vous demeurez fondé, il est branlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je vais réjouir maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps. Qui est l'église? C'est d'elle que j'ai été fait ministre. On dit pour son corps qui est l'église. On dit pour son corps qui est l'église. Nous sommes tous très bien que le corps est notre représentation physique, matérielle qu'on peut toucher. Voici le corps du pasteur Caleb. Mais quand on passe au Caleb, voici le corps du pasteur Caleb. Qui voit l'esprit du pasteur Caleb? Mais quel est ton pasteur Caleb? Qui voit l'esprit du pasteur Caleb? Mais quel est ton pasteur Caleb? Qui voit? Mais quel est ton? Qui voit l'âme du pasteur Caleb? Mais quel est ton pasteur Caleb? Qu'est-ce que vous voyez du pasteur Caleb? Mais quel est ton pasteur Caleb? Le corps. Vous voyez quoi? Le corps. Mais le contient. Et puis tu dis ici quoi? Mon gars, combien de? C'est d'elle que j'ai été. Donc, je l'achète dans ma chair pour que son corps qui est l'église, c'est-à-dire. Christ est aujourd'hui invisible. Et puis, Jésus-Christ est sous ma parole. Depuis l'œuvre de la croix. Personne ne peut plus le voir. La Bible dit que nous ne voyons plus Christ dans la chair. Ici, on dit que son corps est l'église. On dit que. Dans cette génération, tu vois le Christ. Mais tu vas voir le corps du Christ qui allait. Christ, pour voir le Christ, Christ va avec toi. Tu as le Christ sur la terre. Tu as le Christ. C'est toi le Christ. C'est toi le Christ. C'est toi le Christ. C'est toi le Christ. C'est nous le Christ sur la terre. C'est nous le corps visible du Christ aujourd'hui. Pour les corps. Nous tous des corps du Christ. Mais il y a souvent dit que
Christ sur la terre, les représentants du Christ sur la terre, c'est un honneur. Une grâce terrible. Que pouvons-nous pour nous aujourd'hui? Ce qui crée aujourd'hui, ce qui crée le désordre à l'église. Ce qui crée aujourd'hui. Dieu m'a donné auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps, de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Acclame Jésus. Il y a un verset qui dit que nous sommes en Christ. Il y a un autre qui dit que nous travaillons avec Christ. Il y a un autre qui dit que nous œuvrons avec Christ. Il y a un autre qui dit que nous sommes héritiers avec Christ. Et vous, vous avez dit que nous sommes héritiers de Dieu par Christ. Et nous dit que nous adorons Dieu le Père avec Christ. Mais ce verset lui dit que malgré tous ces attributs, malgré tout cela, Christ dont nous parlons vit en nous. Il habite en nous. Christ est visible. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est très glorieux. Ce mystère est caché à tes parents. Ils ne connaissent pas Jésus. Ce mystère est caché à ton entourage. Ce mystère est caché au monde entier. Mais c'est à toi qu'on va révéler ce mystère. C'est toi qui vas comprendre que tu as l'image de Dieu. C'est toi qui parles parmi tant d'autres. C'est toi qui as reçu cette révélation. C'est une grâce. Acclame Jésus. Maintenant, on dit que c'est des choses, c'est des mystères. Caché de tout temps. Donc, depuis même les Moïse, tout ça n'a pas eu révélation de ce mystère. Les grands hommes de Dieu n'ont pas eu révélation de ce mystère. Aujourd'hui, c'est toi qui reçois la révélation. C'est toi qui reçois cette révélation. Alléluia. Et on dit que je l'écris tout ça encore. Révélé maintenant à ces saints. Ce mystère comporte beaucoup de lettres, beaucoup d'écritures. Et nous, on va
beaucoup de grâce, beaucoup de dons, beaucoup de puissance. Et si tout est caché dans un seul mystère. Et le petit dit, que cela a été révélé aussi. C'est vous les saints. C'est moi les saints. Et le verset dit, à qui Dieu a voulu faire connaître. Je suis plus dans un corps physique. Elle a pas me calentir là. Donc, cela veut dire que
Merci, le Wix. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ah! Devenu parfait en Christ. Ben, bien sûr, bien de la même manière que Jésus, allez, que tu es la parole dans le corps, il fait un malade de l'intime à présenter à Dieu. Tous ceux qui croient en lui, mais c'est les gars qui croient ça. Et qu'ils sont devenus parfaits. C'est de cette même manière. Comme Christ habite en moi. Tous ceux que j'évangélise. Tous ceux qui écoutent la parole qui est à moi. Mais c'est que je suis aussi parfait. Comme moi aussi je suis parfait. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Il y a une chose glorieuse, je vais le dire. Une chose glorieuse, parce que Dieu va habiter en toi. Ce que tu as fait du corps de Jésus, il va le faire en toi en cette génération. Non. Pas pour ta propre gloire sur la terre. Pas pour ta propre gloire. Mais pour la gloire de Dieu. Si l'église n'existait pas sur la terre, ce serait la fin de tous les temps. Ce serait la fin du monde. Parce que depuis que Jésus est monté, c'est comme l'esprit de Dieu a quitté. Et retourné. Mais en voulant quitter, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi en voulant quitter? Lorsqu'il voulait quitter la terre, lorsqu'il voulait monter au ciel, il faut donner le micro. J'ai dit quelque chose. Lorsque Jésus a quitté, l'esprit de Dieu avait quitté la terre. Et notre existence sur terre, elle a prouvé que Dieu existe encore. Et que le monde est encore d'actualité. Si nous n'existons plus sur la terre, c'est la fin du monde. Alors qu'est-ce que Jésus a dit? Partez au ciel. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Oui. Il a dit, Père, je mets mon esprit entre tes mains. Mais il a dit à ses disciples qu'il ira leur préparer une place. Et aussi, il les enverra son esprit qui les enseignera, qui les fortifiera et qui sera avec eux. C'est ce que je veux, comme Jésus. Jésus a tué le Saint-Esprit habite. Il fait sa mission. Il va dire aux disciples, je vous donnerai mon esprit. Je prierai le Père pour qu'il vous envoie l'esprit. Parce que sans l'esprit de Dieu, ce sera catastrophique. Ce sera la fin du monde. Donc mon existence sur la terre est la preuve que tu es vivant encore aujourd'hui. Donc, je suis ici le seul de la terre. Dieu est le seul de la terre. Parce que c'est toi qui es en Christ. Tu n'as pas ce que le monde a perdu sa saveur. C'est pour dire si nous, l'église, ne répandons pas Jésus sur la terre, le monde sera dans les ténèbres. Le monde sera dans les catastrophes. C'est parce que je suis sur terre et que j'invoque le nom de Jésus. C'est parce que je crois à la parole de Jésus sur terre que Dieu vit en toi sur terre. Que tu es en paix en toi sur terre. Que Dieu essaie de s'ajuster. Psaume 96, verset 3. Je loue le nom de Jésus. Amen.
raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Version 47, 3, bien sûr. 47. Commencez par le premier. Salmo ta blani vandre pour pouvoir koi. Psaume 87, verset 3. À partir du premier verset, j'ai le nom de Jésus. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses t'ont été dites sur toi, ville de Dieu. Amen. 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 Ici, l'Écriture parle littéralement. Puis à un moment, le pont de Sion, Jérusalem, le site de Jean et de Jérusalem que tu as choisi de préparer. Et que Maoutien y aurait à mais ce qui est étonnant ici, lui, il va mourir la pire. C'est que cette ville est fondée sur les montagnes saintes. Mais tu vois où tu as une et tout compréhension. Non, pas la connaissance. Le nous parlons de foi ici. Il est comme la pire. Nous comprenons clairement que la ville est Jérusalem physique. Ça le temple physique de Jérusalem. Et il y a la ville de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, si on comprend ce passage, spirituellement aujourd'hui, le compromis. Sinon, dont l'écriture parle ici. Et ce n'est plus sinon physique. Mais Jérusalem. 1 Pierre 2, verset 9. Et on revient sur ce verset. Peut-être va parler. Quand on Pierre 2, le verset 9, j'ai le nom de Jésus. Amen. Vous, au contraire, les autres, l'autre est Jérusalem terrestre. Vous comprenez? L'autre peuple est Jérusalem terrestre. Du coup, Jérusalem est quel animal? L'autre peuple, c'est Israël physique. Israël. Mais vous, au contraire. Comme Yahweh la passe à quand? Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Vous êtes élu. Vous êtes un roi. Vous êtes des sacrificateurs. Une nation sainte. Vous êtes une nation sainte. Du corps pourquoi? Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable, à son admirable lumière. Je crois que tiens, il y a quelqu'un dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, jusqu'à la venue de Jésus, le peuple sur qui Dieu parlait, je crois que tu m'as pour l'endroit. Ce n'est pas ce peuple à qui s'adresse dans le verset. Il parlait autrefois d'Israël terrestre. Du peuple qui forme un tabernacle, un temple physique. Et il y a du quoi la ville physique. Mais depuis que Jésus est venu, il a tout accompli. Il a donné le Saint-Esprit. Or, avant cette ville physique qui était Jérusalem, tous les habitants n'avaient pas droit aux choses glorieuses. Tous les habitants n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Tout le monde n'avait pas la présence du Saint-Esprit. Il faut aller dans le temple pour aller chercher Dieu. Elle est venue avec comment on est dans ton homme à parler du roi pour connaître Dieu. Elle est venue pour connaître quelqu'un à des suivants. Est-ce que vous voyez? Mais c'est comment? Mais ce peuple dont on parle, moi, tu crois qu'il est pour la vie à le peuple terrestre. Mais plus Jérusalem terrestre. Mais ce peuple dont la Bible parle, c'est quel peuple? Et du coup, Caillou. Jérusalem céleste. Hein? Jérusalem céleste. C'est l'église. Amen. Donc l'église remplace maintenant, au lieu de dire vous êtes, tu mets l'église Et comme la vie à vous, figure l'église, vous, église. Miaou, c'est Amen. Miaou. Verset 9. Vous, église, au contraire, vous êtes une race élue. Miaou. Proclamez qu'un dit, vous.
déclarer à bout titre amen. Vous, Église, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Amen. Un peuple acquis. Amen. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous, Église, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, amen, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. Acclame Jésus. Donc, le premier Sion. Sion, tantôt. Dans Psaume 47. Le Salmo ta blague de mon ici. La miséricorde est venue vers Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem dit non. Jérusalem, ah, non, nous allons le crucifier. Nous le livrerons aux Romains. Nous allons le crucifier. Il n'est pas, ce n'est pas lui la lumière. Mais quand eux sont rejetés, cette lumière est venue à nous. Donc, si nous allons comprendre ce verset, nous sommes 47 aujourd'hui. Ce Seigneur, c'est qui alors? C'est qui? Qui? L'Église du Dieu vivant. Alors, remplace Sion par Église. Sion 47. Salut, on t'a plein et pour un truc. Sion 87, à part du Seigneur. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de l'Église. Non. Plus. Elle, c'est qui? L'Église. Elle est remplacée au fur et à mesure. L'Église est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de l'Église. Amen. Plus que toutes les demeures de Jacob. Amen. Des choses glorieuses ont été dites sur l'Église. Voilà. Ville de Dieu. Amen. 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 C'est clair. Donc, je te dis ce matin que des choses glorieuses ont été déclarées sur toi. Des prophéties ont été annoncées. Ces choses glorieuses sont quoi? Dieu, dans son amour, avant la fondation du monde, a écrit des choses. Ce sont des prophéties. Ce sont des décrets. Ce sont le conseil de sa volonté. Et il dit, lorsque le temps sera venu, j'accomplirai ce que j'ai annoncé. Je mettrai en accomplissement, je mettrai en accomplissement ce que j'ai dit sur l'Église. Et ces choses qui ont été dites sur vous s'accompliront en cette phase. Vous verrez ces choses accomplies. Vous verrez ces choses accomplies. Elles s'accomplissent maintenant. Elles s'accomplissent maintenant. C'est des choses nouvelles. Dieu a déjà préparé d'autres choses qui se sont déjà accomplies par le passé. Mais dit maintenant à cette nouvelle saison, vous verrez encore une chose plus grande que les choses anciennes. Esaïe 43, 8 à 19. Isaïe 43, le verset 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Qui est sur le point ne la connaîtrez-vous pas? Ne lui mettez des doigts. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleurs dans la solitude. Amen. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur fait une chose nouvelle. Ce qu'il a fait là, c'est ancien. Ce qu'il fera maintenant, c'est encore nouveau.
C'est comme ça l'Ancien Testament était glorieux en ce temps. Pendant Moïse. Pendant le jour de Genèse jusqu'à Malachie. Tout ce qui était se passait était glorieux pour les gens de cette époque. Ou bien. Mais par nous, notre alliance qui est nouvelle, ce qui était glorieux pour les gens, avant, on l'appelle aujourd'hui, on l'appelle ancien testament. Ce qui veut dire que, à chaque nouvelle saison que Dieu établit une nouvelle ère de dispensation, à chaque nouvelle ère, à chaque dispensation nouvelle, à chaque nouvelle alliance, Dieu rend vieux l'ancien. Céleste et la gloire terrestre, c'est-à-dire
la gloire de la vie éternelle et la gloire de la victoire sur la terre. Afin d'aller vivre la gloire éternelle, il va te faire vivre la gloire éternelle dans le temps. Il va te faire vivre la gloire céleste sur la terre. C'est lui-même qui le dit. Et ta machine dit quoi? Le matin, celui qui a tout abandonné. Il a abandonné ses parents. Il a abandonné ses frères. C'est qu'il a pour moi. Et au dia. Je le donnerai au centuple. Mes pères, mes frères, mes mères, sur la terre. Et dans le siècle à venir, la vie est à mort. Ce qui me dit qu'il y a grand gloire que Jésus te prépare. Quand on dit élevé, prêché aux gentils,
C'est l'humanité et la création. C'est-à-dire, les hommes ont cru en lui. Mais les choses de la terre, les végétaux, les animaux, la lune, le soleil, la terre, tous les éléments embrassés, tous les éléments du ciel et de la terre ont cru en lui. Même les démons croient que Dieu existe. Donc, aujourd'hui, le Seigneur déclare Dieu comme la manifestation du mystère de la vie. Les hommes verront ta gloire. La lune verra ta gloire. Le soleil verra ta gloire. La terre sentira ta gloire. Lorsque tu marcheras, la terre sentira la gloire de Dieu. Tout ce que tu as créé verra ta gloire. Car tu es la lumière de Dieu. Dans la scène de vie, nous ne sommes pas appelés à avoir peur. Nous ne sommes pas appelés à être dominés. Non. Dans la scène de vie, nous ne sommes pas appelés à être des esclaves. Dans la scène de vie, nous ne sommes pas appelés à être les plus faibles de la terre. Parfois, nous pensons que la scène de vie, c'est de nous dans un état de comment dire ça? De sa vie, d'ignominie. Pourquoi ce visage? Maintenant, ce visage est un peu distrait. La sécurité, c'est la joie, c'est le triomphe. C'est la sécurité. C'est que tu as reçu l'autorité. Il a dit quelque chose. Et il a reçu le nom qui est sur ton nom. Avec le nom de Jésus, tout le monde réfléchit ça. Si tu crois en Jésus, à la Sainte-Bible, regarde le nom au-dessus de tous les noms. À part le nom de Jésus, ton nom est le deuxième nom. Oui, nous sommes débrouillés, oui. C'est très tôt d'aller. Nous avons laissé les choses de ce monde. Parfois, nous voyons que malgré que nous avons laissé, le monde a encore le pouvoir sur nous. En cela, n'est pas ce que tu veux faire. C'est une honte pour nous qui disons que nous sommes dans la Sainte-Doctrine. Elle est toujours malheureuse. Elle est toujours dominée. Elle est toujours en pleurs. Elle est toujours vaincue. Ça doit changer. Ce que Dieu t'a dit, avant de quitter, vous devez faire peur au monde. Le monde vous a fait, longtemps le monde vous a fait peur. C'est nous qui devons contrôler maintenant le monde. Quand le monde voit, voilà les fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu, voilà les fils du royaume de Dieu. Romains 1, verset 19, j'ai le nom de Jésus. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. Amen. Continuez. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'œil. Comment c'est la puissance de Dieu va se voir à l'œil? Comment la puissance de Dieu se verra à l'œil? Oui, par sa création, par la végétation. Comment on voit la puissance de Dieu? Par les animaux, nous voyons la puissance de Dieu. Par le ciel et la terre. Mais cela ne suffit pas encore. C'est de la même manière que Jésus est venu sur la terre. Et que sa puissance, la puissance de Dieu a été manifestée. Encore en Christ là. C'est-à-dire l'esprit que tu dois habiter. Pour que la puissance de Dieu qui est céleste se manifeste. Se voit à l'œil nu. En Jésus, crois que tu peux ordonner. Les choses que tu ordonnes arrivent instantanément. Ce que tu ordonnes arrive en même temps. Voilà, moi, j'expérimente ça. Les hommes de Dieu l'expérimentent. Et vous devez l'expérimenter. Ce que vous voulez, nous étions les tiens. Voir ta volonté arriver. Non, ce que tu fais, soit arriver de ta vie. Tu dois l'imaginer avec puissance. Et de la souci, la foi est une démonstration des choses qu'on a pu faire. Seigneur, la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Continue. Sa puissance éternelle et sa puissance éternelle et sa vie. Et bien nous sommes avant. Se voit comme à l'œil. Se voit comme à l'œil. Donc, les païens, je nous dis, tu es la puissance de Dieu sur la terre. Tu es la gloire de Dieu sur la terre. Tu es la gloire du nom de Jésus. Tu es la puissance du nom de Jésus sur la terre. Ils verront à l'œil visible. Celui-là, celle-là. Eux sont différents du monde. Ils sont de la sympathie. Mais eux sont au ciel déjà. Eux sont différents du monde. Eux sont séparés. On les a séparés. Oh, maman, la Bible dit quoi? On vous a séparés du monde. Ils sont parmi eux. On vous a rétanchés. Et le Seigneur dit, je fais avec eux une église. Vous voyez comment ça s'est organisé. C'est ce que le Seigneur doit faire. Et vous n'allez pas subir la concurrence déloyale. Parce que vous êtes les fils du royaume. Chacun lui sait que vous avez l'autorité. Lui sait que vous êtes vainqueur. Pourquoi vous n'assumez pas votre victoire? Vous devez connaître l'identité du Christ. L'identité. Lorsque je passerai, les païens verront ma lumière. Ils suivront la gloire de Dieu dans ma vie. Ils ne diront plus, les voilà. Mais ils diront, me voici. Enseigne-moi la parole. Parle-moi de ton créateur. Quand les païens disaient, les voilà. Prochainement, ils diront, me voici. Me voici. Sauve-moi. Parce qu'ils verront que. Dieu nous a caché la puissance. Mais il nous a donné cela. Imagine si nous disons que nous sommes dans la sainte doctrine. Et nous n'arrivons pas. Les païens qui manifestent la puissance. Les païens triomphent du monde. Les païens gouvernent et dominent la terre. Et nous qui sommes dans la sainte doctrine. Nous n'avons même pas ce pouvoir de renverser la puissance. Nous avons une peur. Tu es dans la sainte doctrine. Tu n'as pas avant personne de servir si tu es dans la sainte doctrine. Tu fuis. Quand tu vois, tu fuis, tu te caches. Tu te dissimules. Tu n'es pas dans la sainte doctrine. La parole, c'est à toi le Seigneur parlait. Tu es dans la sainte doctrine. On va voir que tu es dans la sainte doctrine. On sentit que tu es réellement dans la sainte doctrine. Continue la lecture. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Oui, ils sont du monde, mais ils ironisent Jésus malgré ses œuvres.
Ils sont inexcusables. Gloire à Jésus. Donc, retournez maintenant dans Jérémie. Jérémie 1:10. C'est un avant-goût du programme de semaine spirituelle. C'est ce sur quoi nous allons parler toute la semaine. Nous étions bien pour couler le conseil à la fin, vous verrez les sorciers. Et vous fuiront. Vous n'allez même pas dire au nom de Jésus. Ils vous approcheront même plus. Amen. Amen. Maman est contente. Oui. Jérémie 1, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici. Je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. C'est la version. Oui, c'est bon. Oui, merci. Voici. Je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Hein? Une colonne de fer et un mur de reins. C'est quel verset? Verset 18. 10. Soyez un esprit avec nous. Jérémie 1:10. Okay. Jérémie 1, verset 10. J'ai le nom de Jésus. Regarde. Regarde. Voilà. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Mais tu tombes. C'est la première dit. C'est-à-dire, admettez ça en vous. Mais faites des races. Assumez la parole en vous. Mais chronique. C'est toi. Et où est le temps? Je t'établis sur les royaumes. Mais nous, on ne peut pas. C'est comme une parole banale. Quand moi je lis là, je lis seulement. Je dis, roi, donc tu t'es établi sur le royaume. Il y a les rois sur la terre. Les nations ont leur roi. Ils ne peuvent pas leur roi. Mais moi, je n'ai pas le roi là. Qui vient du ciel. Il n'y a pas de homme qui m'a établi. Même ma roi qui vient du ciel. Mais tu n'as pas ton type. Ça montre que toi, tu es un roi. Tu es plus que le roi de ton village. Tu es plus que le roi de ton quartier. Tu es plus que le roi de ton quartier. Le type de tous les fils de Dieu réunis. L'histoire de Jérémie vous conseille aussi. Lis encore, relis encore. Regarde. Regarde. Je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Ne pas comme ça. Le temps dit ça. Et quelqu'un a dit au bac sauta. Mais pas vrai, quand tu dis, il voit son nom. Il voit son nom dans la liste. Ne prenez pas la titre de ma foi. Ça, bien le fait. Ne prenez pas la titre. Regarde. Regarde. Je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui. Tu n'as pas une bête. Tu es dans la scène de paix. C'est comme si toi-même là. Non, on t'en.
C'est quand tu es dedans, alors c'est seulement. Donc là, nous avons mis la mort maintenant, la sainte de vie, c'est la vie. Nous sommes dedans seulement, nous la suivons. Nous la suivons, nous la suivons. Nous la suivons, nous la suivons. C'est celui qui disait. Et quand tu, toi, tu écoutes la parole à l'église, tu vois que c'est pas ça s'accomplit pas dans ta vie. Tu ne jouis même pas de ce que tu écoutes. Mais le pauvre, mon ami, quand elle est là, tu vas voir toute l'église. Là où j'étais, là, il y a les miracles. Là-bas, là, on arrache. Aujourd'hui, moi, c'est comme si ce qui se passe. C'est l'ignorance. C'est notre ignorance qui donne pouvoir à Satan. Lui, la robe de force, il nous connaît. Si tu es Yora, si tu ouvres la porte à Satan, il viendra détruire ta vie. Il viendra arracher ton pouvoir. Et le donner aux démons. Et le donner aux gens de ce monde. Pour que tu ruines. Pour que tu ruines. Et que tu détruises. Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Avant, c'est eux qui détruisaient. Aujourd'hui, c'est toi qui détruis. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Maintenant, tu bâtiras. Et tu planteras. Verset 11. La parole de l'Éternel. Non, c'est bon. Esaïe, c'est 45. Verset 1 à 3. Esaïe 45, verset 1 à 3. 45. Esaïe 45, verset 1 à 3. J'ai le nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel à son nom, à Cyrus. C'est toi le roi de Dieu. Amen. La révélation, c'est toi le roi. Amen. Qu'il tient par la main. Pour terrasser les nations devant nous. Pour terrasser. Ainsi parle l'Éternel à son nom. Allez, à toi. Now. Il ne tient pas la main. Il ne tient pas la main. C'est pas toi qui le fera. Il va te garder. Allô, ne tient pas la main. Vous serez en train de partir. Pour terrasser les nations de vous. Terrasser les nations. Tu comprends? Toi aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus cette autorité. Nous, quand tu as crise autour que ton monde a autant. C'est les nations qui terrassent. C'est les nations qui renversent. Quel ici, quel par là, Russie, Ukraine. C'est nous qui devons terrasser. Non, on ne va pas terrasser pas les bruits. Non, on ne terrasse pas la prière. Non, on ne terrasse pas la prière. Non, on ne terrasse pas la pensée de Dieu. Non, on ne terrasse pas la foi. Non, on terrasse silencieusement. Mais grandement. Mais brutalement, spirituellement. Et pour relâcher la ceinture des rois. Qui va arracher la ceinture des rois? Qui a ce pouvoir d'arracher la ceinture des rois? Pour lui ouvrir les portes. Pour lui ouvrir les portes. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Amen. Amen. Jésus a pris la clé du ciel. Le diable a plus de force. Yes, avant c'était le ciel de mort utilisé pour gouverner, pour détruire les hommes, pour enfaler les hommes. Maintenant, il t'a donné les clés du royaume. Tu ouvriras, tu fermeras, tu donnes, on donnera. Et la porte que tu en donnes ouvrira, tu en donneras, et ça fut fermera. Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. Amen. J'aplanirai les chemins montés. Amen. Je romprai les portes des reins. Amen. Et je briserai les verrous de fer. Amen. Je te donnerai des trésors cachés. Amen. Des richesses enfouies. Des trésors cachés. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà. Acclame Jésus, acclame Jésus. Merci.
guérison. Psaume 8, verset 2. Salomon est à Amani Poupon. Assois-toi pour l'instant. Naïe bien. Psaume 8, verset 2. Verset 3. Salomon est à Nico Piam. Psaume 8, 3. Psaume 8, verset 3. J'ai le nom de Jésus. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Amen. Dieu a des adversaires aujourd'hui sur la terre. C'est ceux qui l'ont précipité depuis le ciel. Ils sont pour lui des esprits méchants dans les lieux célestes et terrestres. Dans les lieux célestes et terrestres. Et l'écriture dit quoi? Par la bouche. Des enfants, des enfants. Et de ceux qui sont à la mort. Amen. Dites que ceux qui croient en Jésus sont appelés enfants. Donc, nous les enfants de Dieu, nous la Bible parle ici. Tu as fondé ta gloire. C'est par nous que la gloire de Dieu sera fondée sur la terre. Et la gloire de l'Église. Pour confondre tes adversaires. C'est par l'Église que Dieu a fondé sa gloire. Pour confondre les esprits méchants. Quand tu dis quoi? Il gagnera jusqu'à ce qu'il crasse ses adversaires sous son pied. Assieds-toi à droite jusqu'à ce que le fasse de toi. Je veux que tes ennemis te marchent. Voilà ce que Dieu a dit à Jésus. Le Père dit au Fils, assieds-toi à droite. Jusqu'à ce que le fasse de tes ennemis. Ton marchant. Alors, si nous sommes à l'image de Jésus, qui est la parole, les ennemis de Jésus sont aussi nos ennemis. Ça, c'est une loi. En même temps que nous sommes amis avec Jésus, les ennemis de Jésus sont aussi nos ennemis. Alors, on dit, par la bouche des enfants, par nous. Par, lève-toi, lève-toi, proclame, lève-toi, proclame. Tu relis d'abord le passage et on reprend. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Mais pourquoi tu cites la première expression. Par la bouche des enfants. Par ma bouche. Par ma bouche. Et de ceux qui sont à la mamelle. Et de l'église. Par ma bouche. Par l'église. Tu as fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires. Pour imposer silence
là, reconnaissent la Sainte Doctrine. Ils savent utiliser les lois de la Sainte Doctrine. Vous avez vu que beaucoup peuvent parmi vous. Quand la Sainte Doctrine, tu appelles. La peur disparaîtra. Déjà, cette peur est déjà partie. Gloire à Jésus. Esaïe 60, donc déjà. Ah, c'est ça, on disait. Voilà, retourne ta note d'Esaïe 60, pour venir à 5. Viens, toi, Esaïe, va par les tablades. Voilà, assois-toi. Nani. Reprends, comment faire pour venir à 5. Esaïe 60, le Seigneur, à ta mère, j'ai le nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Vous voyez, sur toi, attends, ça, c'est pour et pas connaissance, c'est pour Israël. Pas révélation, c'est pour toi et moi. Vous comprenez? Donc, là où on dit, pour toi, ça, c'est toi que le ténèbre parle aujourd'hui. Et tu entends. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Et la lumière. Quand ta lumière est là. C'est là que cette lumière là. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Voici maintenant. Écoute bien. Et l'obscurité des peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Amen. Des nations marchent à ta lumière. Amen. Et des rois à la clarté de tes rayons. Les rois, c'est toi qui diriges les rois. Même l'univers politique, même par ta prière, tu renverseras tout. Tu seras là pour contrôler le monde. Et les gens ne sauront pas ce qui se passe. Ce que tu as fait dans l'homme, ce n'est plus les, ce n'est pas les sorciers. Papa, ignorance, nous laissons les sorciers gouverner les choses. Nous laissons les sorciers dominer la terre. Même le sorcier qui a la puissance de Satan peut se métamorphoser et disparaître aller se rejoindre quelque part. Comment il peut même prendre un animal, le corps d'un animal? Comment même on dit la puissance du diable? La puissance de Dieu est plutôt supérieure à la puissance de Satan. Eh bien, mais pourquoi c'est les sorciers qui exercent ce pouvoir? Parce que l'Église a reçu plusieurs enseignements depuis 2000 ans. Qui ont mis à terre. Ils l'ont mis à terre. Elle a perdu sa force. Et le monde était là avec. Et Dieu se rit même de cette Église. Tout ce qui a été. Cette église vaincue par les ténèbres. Cette église faible. Cette église non vivante. Morte. Non puissante. C'est pas cette église qui est au ciel. Cette église qui est au ciel. C'est l'église qui a triomphé du monde. C'est l'église qui a triomphé du monde. Donc c'est l'ignorance. Maintenant, tu as le comprendre que c'est dans la parole. Oui, bien, c'est les versets sont clairs. Verset 4. Porte tes yeux à la tour et regarde. Tous ils ensemble, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer, oui, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Dans le séminaire, nous allons parler de ça, les richesses de la mer. Tu dois parler de ça dans le séminaire. Comment les richesses ont été volées? Et comment faire pour que ces richesses qui ont été volées reviennent? Les ténèbres par notre ignorance.
L'ennemi a pris ça. Mais dans la semaine là, les ténèbres vont restituer tout ce qu'ils ont volé. Tout ce qu'ils ont volé, ils vont restituer. Quand les trésors des anciens viendront à toi. Tu réjouiras quand les trésors viendront à toi. Tu seras couvert d'une foule de chameaux. Des dromadaires, des madians et des phares. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Et tiens, on peut le monde viendra ta gloire. Vous voyez comment les insultés, la question venue voir Jésus lorsqu'il était né. C'est tout ce qui se passera. Les gens viendront voir ta lumière. Qui est ce Joseph? Qui est ce Asaph? Qui est ce Esdras? Qui est ce Pierre? Qui est ce Caleb? Qui triomphe du monde? Les païens, les présents même chercheront à voir cette église. Vous allez entrer ici là. Si vous allez contrôler les nations, quand vous voyez quelque chose se passer, lorsque Dieu comment il réagit, quand vous voyez quelque chose se passer dans le monde là, la première des choses à faire, ce n'est pas pleurer. Ce n'est pas ça. Au lieu de murmurer là, tu dis, attendez, je viens. Tu fermes le portail. Tu vas dans ta chambre. Tu commences à prier. Tu commences à déclarer. Et quand tu semes, tu vas vivre semer. Tu vas sortir pour récolter. Tu vas sortir et récolter. Donc au lieu de l'homme spirituel, au lieu de bavarder. Lui m'a fait comme ça. Au lieu de parler numérique là. En toi-même. Vous voyez comment les sorciers font? Quand quelqu'un fait du mal, là, il fait comme ça. Comme ça, nous allons te faire ça. Ou bien, nous allons lancer les représailles. Nous ne voulons pas lutter contre la chair. Quand les ténèbres nous attaquent, quand le vent commence à dominer sur nous, quand nous voyons que l'atmosphère doit changer, on fait comme ça. On sait que la poussée. Dans le mot secret. On dit se réuniront chez toi. Bon. Tous chez toi. Juge 6, verset 4. Juge 6, verset 4. Pendant le matin. Commencez par le verset 12. Juge 6, le verset 12. J'ai lu à 14. L'ange de l'Éternel vient à Paris et lui dit
L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Tu as une force terrible. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main des Madians. C'est toi qui délivreras le Togo de la main des épéviers. C'est toi qui délivreras le Togo de la main des lions. Va avec cette force que tu as. Nous sommes quelqu'un de bois. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est l'Éternel qui t'envoie. Il a la force, l'autorité. C'est bon? Oui. Ah, Jésus. Voilà les choses glorieuses qui sont dites sur toi ce matin. C'est les choses glorieuses qui sont dites sur toi pour la semaine spirituelle. Après le matin 6h, 7h, midi à 13h, nous sommes tous ici. Matin, midi, soir. Nous serons là toute la semaine. Qui sera présent toute la semaine? Qui veut présenter? Qui veut venir toute la semaine? Acclame Jésus tout à l'heure. Nous devons tous être là. Parce que, à la fin, nous-mêmes, nous verrons ce que le Dieu fera. Nous n'avons plus de témoignage. Parce que tu vas tous les domaines de notre vie. Les enseignements seront des enseignements qui vont toucher tous les points de notre vie. Des révélations terribles. Qui sont dans la parole. Qui sont dans la sainte doctrine. Ces choses qui vont nous aider à devenir des nouvelles personnes. Donc c'est une retraite spirituelle. C'est la deuxième chose. Ils verront la gloire de
Chantez, chantez, chantez-nous ça. Ah, tu dois me dire ça, maman. Thank you.
Seigneur, donne-moi ta force. Seigneur, donne-moi cette force. Donne-moi cette force.
Je ne vais jamais sortir la force.
l'esprit de force du mort. Quand tu lis dans Esaïe 11, j'ai l'esprit de force. Il faut les choses brûler. Les choses qui nécessitent beaucoup d'énergie. Les choses pour partir assez. Les choses qui ne se partent jamais. Vous le voyez. Si c'est les choses spirituelles là, ils ne vont pas partir jamais. Mais quand il commence à travailler lui-même, parfois il s'en fatigue. Parler de ses liens, c'est plus fort. C'est une force surnaturelle qui est en toi. Seigneur, aujourd'hui, je me saisis, je me révèle cette force. Je récupère cette force. Je ressens cette force. Puis le fait de l'esprit de force. Esprit de force. Qui sent qu'il a reçu une force ce matin? Qui sent qu'il a reçu une force ce matin? Si tu sens que tu as reçu une force ce matin, dis, j'ai reçu la force. En Jésus, j'ai reçu la force. Au nom de Jésus. Priez pour les 16 jours qui arrivent. Que le Seigneur lui-même se manifeste. Qu'il agit puissamment. Qu'il opère puissamment. Que les choses se passent. Que les belles choses qu'il a annoncées se passent. Que les choses glorieuses qu'il a annoncées s'accomplissent. Se révèlent et se réalisent. Puis maintenant au nom de Jésus. Puis au nom de Jésus. Puis au nom de Jésus. Je le connaissais pas.
particulièrement ma vie. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Touche ma vie. Particulièrement. Touche ma vie. Après cette semaine, je veux te rencontrer. Je veux voir Jésus. Je veux entendre Jésus. Et je veux donner un témoignage de ce que tu as fait dans ma vie. Puis maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, cette semaine, je veux témoigner. Je veux témoigner. Que ma vie soit un témoignage. Que ma vie soit un témoignage. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Des choses que tu as compris dans ma vie. Des choses que tu as appris d'avance. L'homme de Dieu, le canal que le Seigneur a investi, a préparé depuis, voilà. Pour utiliser pendant les 7 jours. Voilà tout, mais d'arrêt, ce qu'on veut utiliser pour les enseignements, pour les prédications, les enseignements, pour les prières, que le Seigneur nous remplisse, que lui-même soit effacé, que la chair soit détruite, et que l'esprit parle, que l'esprit agisse, que la chair n'est pas effet, que la chair ne se manifeste pas, que l'esprit de connaissance, de vérité, de sainteté, de puissance, de révélation se manifeste dans son canal. Que le temps en notre jour. Seigneur, nous permettons de nous faire un peu de temps.
Que le nom de Jésus soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié.